Moisan avec à ses côtés Bamba. Bamba peut-être en position de centre. Ah, il rejoue, c'est bien joué avec Moisan. Deuxième poteau, l'ouverture du score. Ouverture du score d'entrée de jeu pour l'US Concarneau. Et c'est Maxime Etuin. Ouais, super, c'est bien joué. Belle combinaison à droite, on disait tout à l'heure. Équipe invaincue à domicile, on l'a dit. C'est parti pour Baptiste Moisan sur la barre. De nouveau avec 5-1. À gauche puis à droite maintenant, le jeu long. Bien joué en direction de Mansour Si. Le dédoublement de Bamba. Très très belle séquence collective. Tu as la même. Ouais, la même de Maxime Etuin. Celle-ci, c'était une volée. C'est parti, deuxième poteau là. Bonne sortie de Salès, mais c'était sifflé. Il y a eu du grabuge. Hein, beaucoup de joueurs à terre. Allez, hein. On arrête là-dessus. Voilà, c'est la mi-temps, c'est la pause ici à Concarneau avec ce premier exercice qui a été maîtrisé par les joueurs de Stéphane Rossi. 1-0 après 45 minutes de jeu avec Maniora. Attention, Maniora, il est entré dans la surface. Il y a du monde maintenant devant le but. Il y a cette frappe. Oh, elle est contrée par Moisan. Pénalty. Pénalty avec cette main de Baptiste Moisan et le scénario se répète. Il a surtout le ballon de l'égalisation au bout de son pied droit. Mamadou Diallo, ça fait un but partout. La Berrichonne de Châteauroux est de retour ici à Guy Piriou. Ouais, on le sentait arriver. On n'a pas réussi malheureusement à se mettre à l'abri. C'est parti pour Etuin, dégagé par Vincent Pires. La déviation du talon, c'est bien joué. Et oui, Le but, c'est pour Stanislas, c'est Moisan. Non, c'est Kielt qui est donc le buteur. Stanislas Kielt qui marque ce deuxième but, la réaction concarnoise. Au 35 mètres maintenant, ouais, l'interception à l'intérieur et le contre pour Stanislas Kielt. Ah, il l'a vu à l'opposé, il l'a vu. Le 1 contre 1, ouais, le bon ballon de l'autre côté avec Gabriel Tutu. Gabriel Tutu encore. Et cette fois-ci, le voilà, le but du break. Le but de la délivrance, le but de la victoire. Il est signé Gabriel Tutu. Ah, il finit très très bien Tutu avec... C'est une très belle fin de match de Stanislas Kielt. Hein. Récompensé de tous ses efforts. Et c'est terminé. C'est terminé Mathieu. Le dépit, le désarroi des Castelroussins qui s'inclinent pour la quatrième fois à l'extérieur en autant de rencontres hors de leur base. Concarneau, eh bien, conserve son invincibilité à domicile, gagne à nouveau. Nouvelle victoire pour les Bretons qui s'installent, qui continuent de s'installer dans le très très haut du tableau.